ici Charla et aujourd'hui on est parti pour une toute nouvelle vidéo. Donc pour le let's play, l'épisode du let's play numéro 3 sur Brave Frontier RPG. Donc on lance directement le jeu. Et donc cette fois-ci je me suis bien améliorée par rapport aux deux. Donc comme vous voyez je suis niveau 78, bon ça. J'ai pas beaucoup augmenté niveau mais j'ai un peu joué quand même. Donc on peut voir que dans les quêtes, Lyseria. Donc j'ai fini la plaine. J'ai fini les montagnes et j'ai fini l'Odan. Et là, avec vous, on va faire ça. Donc, on va tout de suite passer à la cinématique Paris. Paris, on peut la dropper. Donc, j'ai pas eu de retour sur le dernier épisode. Mais je pense qu'aujourd'hui, on va faire Gradens. Donc, on va faire Gradens. J'espère que je vais y arriver. On va tester. Donc, pourquoi pas Karl? Parce que Karl, je l'ai déjà fait, en fait. Allez, Paris, tu parles beaucoup trop, là. En ce moment, j'enchaîne un peu les let's play, parce que j'aime bien les tourner en ce moment, donc, voilà. Alors, donc déjà, on va faire la petite news un peu Brave Frontier, comme tous les let's play. On va commencer déjà par les Vortex. Donc, par les Vortex, en ce moment, là, il y a toujours l'éveil des dieux méca. Il reste 8 heures, bon, les reliques hostiles, la chambre d'or et tout. Bon, ça, c'est les quêtes qu'il y a normalement. Gardien du savoir, chronique de Gaïa, défi ultime, la faille et quête de peur. Donc, ça n'a pas trop changé. Et on va faire la faille. On va faire la faille, tiens. On va prendre lui, tiens. Quand en parlant de Gradens. Donc, comme vous voyez, j'ai amélioré Yori niveau 116 et bientôt niveau 120. J'ai un peu mal à la gorge. Allez, donc on met en 3. Et on fait auto. Vous allez voir que dans les invocations, donc il y a les nouvelles unités exclusives qui sont arrivées, je crois, hier ou aujourd'hui, je ne sais plus. Enfin, pour tout vous dire, je ne sais pas. Il y a les unités exclusives, il y a dans le portail d'honneur, il y a un nouvel événement où on peut dropper Gaïen 2 et Mina. Donc unité plante et on a plus de chances de la dropper et on peut dropper des cristals de terre plus facilement aussi. Et donc ce matin, grâce à mon cadeau d'aujourd'hui, j'ai pu faire 10 invocations. Et donc j'ai eu quelques petites perles. Donc on va voir ça tout de suite. Donc on vient de finir. Donc là, je vais vous montrer déjà en ce moment ce qu'il y a en invocation. J'ai très mal à la gorge. Et très mal. Alors, donc je vais vous montrer ce qu'il y a dans les invocations en ce moment. Donc, invoquer. Et donc déjà, vous voyez les invocations d'honneur. Donc, invocation d'honneur de son point toujours. Et on peut avoir il et Mina. Et beaucoup de trucs. Donc... voilà. Et dans les invocations rares, donc invocation à 3 gemmes, très bien. On peut invoquer les nouvelles unités exclusives, Berdette, Sareas et Dur. Donc, je ne sais pas ce qu'elles donnent, mais peut-être que je ferai une vidéo dessus. Ça m'étonnerait, mais bon. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai eu en invocation d'honneur. Je voulais le faire avec vous, mais je me suis dit, bon, ça va perdre beaucoup de temps la vidéo, donc... voilà, voilà. Alors, comment ça se fait-il que je ne vois pas les unités? Alors, donc déjà j'ai eu... non, pas toi. Déjà j'ai eu... Putain, c'est pas possible, j'ai une voix dégueu. Pourquoi elle est pas là, mon unité? Attendez. Excusez-moi pour Twitter. Alors... quoi, mais elles sont mauvaises. Ah, elle est là. Donc déjà, j'ai eu Selena, Sainte Selena, 6 étoiles en briseur. Donc je crois que c'est assez content. Et donc Leader Skill, ça fait quoi? Unité d'eau améliorée 10%. Pas mal, pas mal. Alors sinon, j'ai eu 4 grands elfes comme ça, de différents types. Par contre, j'en ai pas eu de briseur. Ça me fait un peu chier. Tiens, j'ai une voix nulle. J'ai une voix de merde. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre aussi? J'ai eu pas mal de choses. J'ai eu beaucoup de 4 étoiles. Pardon. Donc j'ai eu pas mal de choses. Ah oui, hier j'ai invoqué lui en invocation rare. Il est très bien, il est très bon.
Donc globalement, c'est tout ce que j'ai eu en bonne unité. J'ai eu des dieux aussi, mais je les ai fusions, donc voilà. Rien de bien fameux, mais ça reste bien. Donc on va faire la reine rapide. Alors tiens, combat. En combat. Il joue un truc avec Scale Mode. Bon, j'ai gagné. Yori, cette étoile qui est vraiment trop fort. Franchement, je vous le conseille. Hein. Il est vraiment trop fort. Enfin, moi, je l'aime bien après. Enfin, je trouve qu'il a un style correct. Il est bien, il est bien. Alors, toi, je peux essayer de te battre. T'es niveau 89. Et tu joues Michel. Pourquoi tu joues à trop et pas Sephia? Je sais pas. Bon, j'ai gagné. Zephu, il sert tellement à rien. Mais bon, j'avais de la place à compléter, du coup, j'ai mis Zephu. Donc, je peux pas beaucoup pendant l'arène. Là, il n'y avait pas beaucoup de news par rapport à la dernière fois, à part les invocations. Mais sinon, pas grand-chose. Enfin, même rien. Hein. Alors, toi, on va essayer. Même si j'ai peur de... Ouais, non, ce mec, je l'ai déjà essayé, mais j'ai perdu, je crois. Oh non, la connexion! Ah non, c'est bon. Gravion. Je l'aime tellement pas, Gravion, c'est abusé. Je trouve moche. Enfin, en fait, je trouve qu'il ressemble trop à Golem, mais en 100 fois plus moche. Bon, j'ai gagné. Sinon, dites-moi dans les commentaires. Donc, je sais pas si je vais faire Gradens, parce que je suis pas sûr que j'ai le temps. Enfin, j'aime bien faire des vidéos de 10 minutes. Donc voilà. Alors, attendez, je regarde à combien c'est. Oh, 7 minutes. Donc, on va continuer un peu. Ah non, pas Clash. Pas Clash Royale, excusez-moi. Alors, donc, je pense qu'on va faire... je sais pas, un petit Vortex, par exemple. On va faire un petit Vortex. Qu'est-ce qu'il y a en Vortex? Non, on va pas faire de Vortex, on va continuer les quêtes. Allez, donc on se lance pour le marais infranchissable. Allez, go. Excusez-moi. Donc sinon, pour les vidéos... je fais que 2 vidéos par semaine maintenant, vu que c'est assez compliqué. Mais vous avouerez que maintenant je dors mieux. Et je dors et surtout le matin, je suis pas crevée quoi. Donc voilà, vous avez vu que j'ai fait une vidéo, je sais plus, ah oui, mercredi. Bon, ça c'est pas obligatoire. Donc là, en ce moment même, quand je tourne la vidéo, enfin même si je pense que je la mettrai juste après, mais il est vendredi soir actuellement. Donc. Il y a peut-être une vidéo samedi. Samedi, non, peut-être pas, parce que j'ai un programme chargé. En gros, je fais un concert, si vous voulez tout savoir. Par contre, dimanche, oui. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on va faire 3 petites quêtes. Ok. Yori qui lance son UBB. Et ils sont résistants. Oh non, je voulais voir le bébé d'Yori. Bon, tant pis. Allez, donc on a fait la première quête des chemins infranchissables. Je crois que c'est ça. Je suis un peu en rhume, mais je viens de remarquer. J'ai un peu une voix de canard. Alors, on continue. Ok, unité. Combien ça fait de temps, là? 9 minutes. Ok, on va... Non, mais pourquoi je lance Clash Royale à chaque fois? Je suis un peu con. Alors, on va vendre les unités. Alors, moi je classe par étoile, comme ça je sais que ce que je dois vendre. En général, je vends tout ce qui est 2 étoiles, à part celles qui se trouvent pas du jour au lendemain, quoi. Mais je vais commencer à augmenter parce que je fais plus d'invocations en ce moment. Enfin, je vous avouerai que là, en personnage à monter, j'en ai pas mal en ce moment. Déjà, j'ai Alpha parce qu'il est super fort. Je peux farmer. Lui, je peux le faire évoluer. Il est niveau 100.
Éventuellement, lui, je peux le faire évoluer, mais bon, voilà. Sinon, voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à faire évoluer. Peut-être qu'après, si j'ai tout évolué, je me ferai une Lidite comme ça. Une Lidite. Je sais pas. Alors. Ok, ça fait 10 minutes. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, enfin ce petit, la suite du let's play sur Brave Frontier vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à partager. Enfin bref, à total, c'était Charla. Et à plus pour une nouvelle vidéo.